Loi de Joule. On appelle effet Joule la transformation de l'énergie électrique en chaleur. La transformation de l'énergie électrique en chaleur s'appelle quoi? Effet Joule. Parce que j'ai l'effet Joule, je m'arrête, je prends une sorte de transformation de l'énergie électrique en chaleur. Il y en a une résistance. L'énergie électrique, c'est quoi l'énergie électrique? L'énergie électrique, symbole de la W, s'exprime dans le système international en joules. Le symbole W s'exprime en joules dans le système international, égal à la tension multipliée au produit par l'intensité produit par le temps qui le traverse, l'intensité qui le traverse. U en volts dans le système international, I en ampères. Dans le système international, temps en secondes dans le système international. La temps, T, joui, T, T c'est le temps. Watt. T, joui, temps. L'énergie électrique, symbole est là, la W. W égale U fois I fois T. W égale U fois I fois T. W en joules, U en volts, I en ampères, T en secondes dans le système international. C'est dans l'énergie électrique dans le conducteur ohmique. Dans un conducteur ohmique, W égale R fois I au carré fois T. Laquelle W égale R fois I au carré fois T. Dreyer formule à la formule. Je savais, d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. Remplacer U par sa valeur R fois I, sorte R fois I fois I fois T. Donc R fois I au carré fois T. Dans un conducteur ohmique, finestamel, énergie électrique égale R fois I au carré fois T. Seulement dans un conducteur ohmique. La formule est ceci, l'énergie électrique W égale U fois I fois T. Mais dans un conducteur ohmique, finestamel, W égale R fois I au carré fois T. D'après quelle loi? D'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. La loi d'Ohm, U égale R fois I. Puissance électrique. La puissance électrique, symbole est la P, s'exprime en watts dans le système international, égale énergie électrique en joules sur temps en secondes. La catégorie puissance électrique, énergie sur temps, où P égale U fois I. Yamsam, P égale U fois I. U en volts, P et I en ampères, donc puissance électrique en watts, Obstamel P égale énergie sur temps. Dans le système international, dans le conducteur ohmique, P égale R fois I au carré. Il y a formule Obstamel, loi d'Ohm, behind formule. R fois I fois I, donc R fois I au carré. Seulement dans un conducteur ohmique, la puissance égale R fois I au carré. Unité usuelle de l'énergie. Dans le système international, unité usuelle de l'énergie est le watt-heure. Watt-heure. Donc, il y a un watt-heure, mais il y a P en watt, la puissance en watt, ou T en heure. Qui fait power la seconde? 1000 heure la seconde fois 3600, 1000 secondes l'heure divise 3600. Le kilowatt-heure, quand même, on va se watt-heure, kilowatt-heure. Kilowatt fois heure est l'unité commerciale de l'énergie électrique. Le kilowatt heure est l'unité commerciale de l'énergie électrique. W en kilowatt fois heure égale puissance en kilowatt fois T en heure. Puissance en kilowatt fois T en heure. Le kilowatt la loi fois 1000, le watt la kilowatt divise par 1000. Tamam.